Salut, salut, cher combattant. J'ai dit ce matin que j'allais m'asseoir sur les cabris aujourd'hui. Et donc, c'est pourquoi le titre du cabriolet. Alors, les cabris sont excités. L'herbe semble être verte. Et donc, ils vont déguster avec appétit. Les Camerounais, quant à eux, continuent de broyer le noir. Vous savez, quand le torrent passe, et puis la vie continue, quoi. Vous avez vu les inondations dernièrement, des morts, des pertes. Et la vie continue en désordre, on dirait. Ah oui, la vie continue en désordre. Élection, élection, et ce sont les militants de So Far Don't Finish qui ont apparemment de la peine à se positionner par rapport à leur participation ou non à l'élection. Le chef dit que lui, il ne participe pas tant qu'il n'y a pas la paix. Papa, ton disque là est rayé jusqu'à ce n'est plus bon. C'est rayé jusqu'à ce n'est plus bon. On connaît l'équipe. Il faut que l'équipe soit au complet. Non, les cabris, les SDF, et leur mentor, le RDPC, ils doivent aller jouer leur cirque, tourner leur cirque là-bas. Et la vie continue. Vous savez, une chose que Biya a réussi au Cameroun, c'est à transformer les partis politiques en agence pour l'emploi. C'est une chose. La deuxième chose qu'il a réussi, ou alors la deuxième promesse qu'il a tenue, c'était de garder les Camerounais dans la pauvreté. Vous vous souvenez, depuis quand il a dit il faut serrer les ceintures, c'est depuis 87 ou c'est 85, je ne sais plus trop. Les Camerounais ont serré la ceinture jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent de serrer la ceinture. Et le bon monsieur de sortir avec un slogan, émergence 2035. Quand je ne serai plus là, vous allez vous rappeler que j'étais le monstre vivant. Ouais. Donc, les Camerounais, la question c'est de savoir, depuis que vous avez voté les cabris, là, voilà une autre élection à laquelle on vous convie, régionale. Depuis que vous avez voté les cabris, d'abord, un, le président élu vous a dit d'être prêt et d'agir. Est-ce que vous avez suivi ce message? Deux, depuis que vous avez élu les cabris, là, votre vie a changé comment? Est-ce que votre vie a même changé du tout? Et Néo coupe toujours le courant, n'est-ce pas? Et Kamwata, eux, ils coupent toujours l'eau. Et donc, l'élection est passée, vos problèmes sont restés. La guerre est restée au nozo. On a déjà normalisé cela. On a déjà normalisé la guerre. La guerre s'est passée au nozo. On se souvient qu'il y a au moins un parti politique qui a dit qu'il ne faut pas aller aux élections tant que la guerre n'est pas résolue. On se souvient de ces élections du février. Il y a des gens qui ont ri. Aujourd'hui, c'est la même chose. N'allons pas aux élections tant que la guerre n'est pas terminée. Et ceux-là qui le disent là, eux, ils respectent leurs paroles. Maintenant,
Il y a des kings d'armée, des chercheurs d'emploi qui sont pleins partout et qui sont à l'œuvre, n'est-ce pas, pour je pense que j'y suis. You're right. Is there a meeting in here? What the what? Yes. Huh? Yeah, but the spouse should be in at about 6 o'clock. They should be out about 6. They should be out about 6. Yes. Yeah. Right. But it looks like they're still here. Yeah. Vous allez m'excuser. Hein. Vous allez m'excuser. Alors, je laisse cela au Camerounais faire réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez faire de Paul Biya et de sa bande? Le pouvoir est entre vos mains. Le pouvoir est entre vos mains. Plus que jamais. Donc, reprenez votre pouvoir. Et puis bon. Voilà. Vous voyez les morts partout. Il y a des signes de la fin. Franchement, la mort, telle que les Camerounais côtoient la mort, il va peut-être être en mesure de douter de la fin. J'en ai terminé là. J'attends vos commentaires. C'est le banner de Ying. Bye bye.